Bon, inutile de chercher plus longtemps à l'éviter, on va faire le gag des adaptations. Tu te rappelles les trois mousquetaires? Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires pour avoir la paix. On fait la guerre. Ok, maintenant une version plus légère. Un pour tous et tous pour un. Lorsque l'on est mousquetaire, un pour tous et tous pour un. On est comme des frères. Par légère, je veux dire humoristique. On est mousquetaires et on est très fiers. Oui, face au danger. Depuis des années, nous on s'est débiné, mais faut pas pousser. Que faire de plus quand on est sous-payé? Bon, tu triches, ça c'est même pas une série dont les mousquetaires sont le principal sujet. Galaxy Rangers. Nouveaux mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Un peu comme des frères. Je crois qu'il est temps d'arrêter, ça a vraiment cherché trop loin. Mais dis, pourquoi t'as pas évoqué le fait qu'avant toutes ces séries animées, il y avait un... Tu sais, ces trucs qui existaient avant Internet et dont on pouvait tourner les pages, un peu comme sur un écran tactile, mais en papier. On lui coupe la tête! Parce que ce livre et moi, on n'est pas copains. Ah bon? T'es la première personne que j'entends en dire du mal. C'est parce que j'ai une histoire un peu compliquée avec lui. Tu l'as lu quand même? Oui, courageusement, je l'ai lu jusqu'à la 15e page avant de tomber dans un sommeil profond. Message personnel à tous les parents qui nous regardent. Ne forcez pas vos enfants à lire un livre quand ils ne les tentent pas, même si c'est votre préféré. Surtout si c'est votre préféré. Vous allez les dégoûter à vie, mais alors vraiment? Toujours est-il que je ne peux pas avoir d'avis sur le livre lui-même, vu que je ne l'ai pas lu. En tout cas, les premières pages ne sont pas engageantes. C'est lourd, c'est pompeux, la situation met une plombe à se mettre en place. Et surtout, c'est Marvel! Les trois mousquetaires ne sont pas de nobles défenseurs de la veuve et de l'orphelin poursuivant un idéal d'honneur et de... Les trois mousquetaires, tout comme D'Artagnan, sont gascons! Ils aiment se battre, détestent réfléchir, et pensent avant tout à leur plaisir immédiat. Ah oui, tu peux me rappeler, c'est quoi ta province natale? C'est pas le propos! Le seul personnage campé comme étant noble est Athos, mais c'est parce qu'il joue le rôle du meilleur ami, plus sage et responsable que le héros, qu'on retrouve tout le temps dans la fiction, et dont on se demande toujours pourquoi c'est pas lui le héros à la place du héros. Le fait que les personnages soient imparfaits ne veut pas dire que c'est Marvel, ça pourrait être des personnages dont la badassitude vient des imperfections, façon One Piece. Admettons, j'ai pas lu assez loin pour savoir. C'est juste que la scène que j'ai lue est celle où D'Artagnan rencontre successivement les trois mousquetaires, se frite avec chacun d'eux pour une raison quelconque, et se retrouve obligé de leur fixer un rendez-vous pour un duel à mort, histoire de laver leur honneur. Et seul le sujet de la dispute avec Athos est à peu près défendable, même si vouloir tuer quelqu'un juste parce qu'il vous a cogné précisément là où vous êtes blessé, c'est peut-être un peu extrême, mais bon. Tout ça pour dire que ce livre a échoué à me donner envie de lire. Tu dois être son seul échec. Il a été adapté à tout va depuis. Parfois de manière plutôt fidèle, parfois avec un certain nombre de libertés, parfois très fantaisiste, et bien sûr, je ne parle pas des références à tout va. On sortira tous par le même tunnel, ça n'est pas un peu fini, non? Un seul tunnel, un pour tous, et tous pour un! Attends, même les Dalton ont lu le livre que tu ne veux pas lire. Ils savent pas lire! Autant dire que tu dois être la seule excentrique au monde à ne pas l'avoir aimé. Oh, j'en suis bien consciente. Mais quoi qu'il en soit, malgré l'air outragé que pouvait prendre ma mère quand mes frères et moi débarquions à table en chantant à tue-tête des ritournelles à propos de complots terrifiants et de tromblons chargés de spaghettis à la sauce bolognaise, Albert le cinquième mousquetaire n'est ni la première ni la dernière adaptation parodique du livre vedette d'Alexandre Dumas. Déjà, l'histoire est connue comme le loup blanc. Personne n'est perdu quand on y fait référence, et du coup, c'est loin d'être un sujet casse-pipe pour un détournement. Ensuite, l'histoire de base se prête à être parodiée. C'est déjà un spectacle grand guignol avec des dialogues rocambolesques, constitués d'onomatopées parce qu'Alexandre Dumas était payé à la ligne. À ce stade, effectivement, Robinson Crusoe était un choix de sujet bien plus original. Et pourtant, Robinson Crusoe a bien moins marqué son public que ne l'a fait Albert. Et je suis pas sûre que la bataille juridique qui a eu lieu autour de Robinson Crusoe soit le seul facteur explicatif. Pour autant, je crois pas que ce soit son sujet qui fait d'Albert une série si particulière. Et à vrai dire, définir ce qui la rend particulière va être, comme à chaque fois qu'on parle d'une série humoristique, compliqué. Déjà, un truc à retenir. Je gardais très peu de souvenirs de la série, mais quand on a re-regardé, je pensais que ce serait comme Sacré Dragon. Il y avait des raisons de le penser. Graphiquement, il y a des similitudes. Pas tant dans le design des personnages et des décors que dans la façon dont l'univers est représenté comme une parodie à la Disque Monde d'un contexte historique. Soit dit entre parenthèses, là où le dessin et la musique de Sacré Dragon faisaient un peu penser à ceux d'un jeu de point and click, Albert le cinquième mousquetaire fait énormément penser au jeu Discworld, tant visuellement que musicalement et même dans la façon de bouger des personnages. Bref, la forme donnait à penser que la parodie serait dans le style de Sacré Dragon. Et en fait non, la série est plutôt dans le style de Mandarin & Co. Dans le style de Mandarin & Co? Bah ouais, des personnages énergiques, des dialogues qui s'enchaînent à toute berzingue, un humour avant tout basé sur le langage. Très vil!
Oui, sire. Il est complètement à côté de ses pompes. C'est particulier, c'est français. Alors, mon ami, que pensez-vous de cette composition? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau, d'aussi harmonieusement royal. Déjà, premier truc, c'est quoi l'humour français? Étant français nous-mêmes, on va avoir du mal à le déterminer. Les séries françaises, on les voit dans leur version originale, alors que les séries étrangères, on les voit soit adaptées par le doublage, soit paraphrasées par les sous-titres. Mais comme j'ai dit, ça doit être quand l'essentiel de l'humour est dans les tournures de phrases. Gertrude au poste de pilotage. C'est dans la poche. Ça doit être typiquement français d'enchaîner les calembours et les jeux de mots. Deux mots. François Pérus. Mesure d'urgence, on détourne tous les atterrissages sur Orly. Ah, mais c'est pas possible. Si, monsieur, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que je fais avec les vols en provenance de Tunisie? Tu n'hésites pas un instant et tu l'envoies à Orly. Et celui de Suissère? Suissère a rien d'atterrir ici, il va à Orly. Et on a un vol allemand. Vol allemand de l'envoyer à Orly. Et un autre de Transcontinental Asiatic Airlines Unlimited. Eh bien, Transcontinental. Ah, te l'as bien baisé avec tes calembours. Francophone. Canadien, tout comme Albert le cinquième mousquetaire d'ailleurs. Et c'est là ma deuxième objection. Tu peux pas dire c'est parti. C'est français, alors que la série n'est pas juste française, mais franco-britico-canadienne. D'autant plus que la plupart des sites d'information s'accordent à dire que le titre original est Albert the Fifth Musketeer, et que la mauvaise synchro labiale du premier épisode donne le sentiment que cet épisode-là au moins a été animé pour être d'abord en anglais. Je viens d'inventer le tromblon à spaghetti bolognaise. Qu'est-ce que ça prouve? Faut pas croire tout ce qu'on lit sur internet. Toutes les solutions des boucliers de Quetzalcoatl affirment que le seul moyen de sortir de la forêt est d'agripper la branche au moment où le sanglier nous charge, alors que c'est pas vrai du tout. C'est bien la preuve que des fois les sites d'information racontent n'importe quoi. Et quand bien même, Garage Kids était en anglais aussi alors que c'est français. Tout le staff est français, c'est pas une preuve ça? Plus sérieusement, je ne peux pas vraiment mettre le doigt sur ce qui me rendait si sûr avant de vérifier, mais j'ai toujours été persuadé qu'Albert, dans son état d'esprit au moins, c'était avant tout français. Outre la ressemblance avec Mandarin & Co, on relèvera que la plupart des références sont des références françaises. Messieurs les mousquetaires, mon nom est Cyrano. Mettez donc pied à terre, prenez quelques repos. Merci. Allons donc, Cyrano est connu outre-Atlantique, Edith Piaf aussi d'ailleurs. Allons, venez, Mila. Allons à l'intérieur si vous voulez bien. Il fait trop froid dehors, là c'est confortable. Et Bourville? Oh, mon carrosse! Ça va pas, non? Quoi, votre carrosse? Il a rien, votre carrosse. Bah, il va marcher beaucoup moins bien maintenant. Forcément, hein. Attends, ils sont si fiers de cette référence qu'ils la font deux fois. Je crois qu'ils sont de retour. Regardez, Majesté. Mon carrosse? Mais il va marcher beaucoup moins bien. Non, c'est parce que la première fois, celle du carrosse de la reine s'était ratée, le gag tombait à plat, alors ils l'ont refait avec Milady. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bon, oublions 5 minutes cette histoire d'état d'esprit français ou non, et revenons à la question essentielle. En quoi consiste cet état d'esprit commun entre Albert le 5ème mousquetaire et Mandarin & Co? Comme tu l'as dit dans la vidéo sur Mandarin & Co, l'humour ça ne s'analyse pas à moins de vouloir à tout prix être chiant. Alors tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est comme on l'a pas fait pour Mandarin & Co, une liste. 1. Le registre linguistique. Comme dans Mandarin & Co, le comique vient en grande partie du ton et du registre linguistique utilisé pour camper l'ambiance. Dans Mandarin & Co, c'était l'accent banlieusard et le verlan. Dans Albert, c'est l'accent précieux et le langage désuet qui se manifeste surtout par le fait de mettre deux rechefs à toutes les phrases et pas toujours de façon appropriée. Alors en route de rechef, messieurs, allons de rechef au Louvre les lui prendre. Eh bien, ils vont avoir de rechef quelques petits problèmes. Tu emploies toujours ce mot. Je ne sais pas s'il veut dire ce que tu penses. Ce ressort comique-là est entièrement porté par le travail des gens qui ont été choisis pour faire les voix, qui ont mis toute la désinvolture qu'il fallait dans leur ton pour rendre encore plus flagrant le caractère abscon des mots employés. Par ordre du cardinal, ouvre cette porte ou j'abuse de mon physique et je la défonce. Et pour agrémenter le tout, il y a les calembours. J'arrive en tapis de roi. Pendant la première partie de la série, du moins. Bon, c'est vrai que les calembours, il y en a moins dans la seconde partie de la série. C'est pas la seule chose qui disparaît, on y reviendra de rechef, mais ça donne le sentiment qu'au bout d'un moment, la série ose moins, se sent obligée d'être plus sérieuse. Mais dans les premiers épisodes, c'est calembours au kilo, et des calembours exactement comme je les aime, vieux, lourds, éculés. Qu'ils soient 3 ou 4, ils seront discrédités aux yeux du roi. Y'a pas que les calembours comme forme d'humour liée au langage. Parfois, on a des jeux de mots plus littéraux entraînant du comique de situation. Exemple, la consigne est de repérer de rechef le carrosse de Milady qu'on peut distinguer grâce à la présence d'une croix noire. Donc les mousquetaires... Souvenez-vous de ce qu'a dit le capitaine, on arrête tout ce qui ressemble à une croix noire. Halt ! Qui êtes-vous ? Croix noire Norbert, je suis éleveur de tortues. Pourquoi, mousquetaire ? Norbert Croix noire ? Porthos, fouille le chariot. Tout de suite. Merci d'avoir introduit Croix noire, le propriétaire des tortues. Ça me permet de passer de rechef au deuxième ressort comique très utilisé dans cette série.
2. Les running gags. Un running gag. Les running gags, il y en a de trois sortes. Il y a tout d'abord les discrets, qui ne sont drôles qu'à cause de la répétition d'un épisode sur l'autre. Grâce à eux, on remarque d'ailleurs qu'il y a une chronologie. Arrêtez Albert, je vous en supplie. Chaque fois que vous pointez votre tromblon sur ce mannequin, je prends des spaghettis plein la figure. Cette fois, aucun risque, croyez-moi sur parole. Pointez le tromblon sur moi, s'il vous plaît. Comme ça, cette fois, vous atteindrez le mannequin. Pardon, mais je ne peux pas faire ça. J'insiste. Feu à volonté, mon petit Albert. Pas juste, grâce à eux. On le sait aussi quand un personnage, souvent de Tréville, fait deux rechefs référence à une mission antérieure. Ce sont mes gardes qui, au départ, ont eu l'audace de voler les chocolats aux Espagnols. C'est faux. C'est vrai. Mais les running gags ne sont pas dans l'ordre chronologique. En tout cas, pas si on se fie au parcours de Croix-Noire et de ses tortues pour rejoindre le Louvre. Bah, il a peut-être juste un sens de l'orientation désastreux. Au point de ressortir de Paris après y être enfin arrivé. Il a peut-être demandé son chemin à Rorono Azoro. Ensuite, il y a les gags qui se répètent, mais avec des variations. Ils sont drôles pris individuellement, mais le vrai gag consiste à constater toutes les variantes qu'on peut faire autour. Milady, Milady. Je suis dans la cuisine, votre éminence. Ce sont principalement ces gags-là qui disparaissent dans la seconde moitié de la série quand on a l'impression qu'elles se sont obligées d'être plus sérieuses. Contrairement à Phineas et Ferb, Albert n'a pas su renouveler très longtemps ses situations comiques récurrentes. L'élément le plus remarquable de ce changement, c'est qu'au bout d'un moment, les mousquetaires se mettent à reconnaître Milady dès qu'ils la voient, alors qu'au début de la série, pendant plusieurs épisodes, même si elle ne se déguise pas, aucun personnage ne parviendra à l'identifier tant qu'il n'aura pas vu ou entendu son tatouage en forme de canard qui parle. Au passage, what? Non, c'est parce que dans le livre, elle a un tatouage en forme de fleur de lys qu'elle cache parce qu'il lui a été fait en signe d'infamie. Ah oui. Pour les auteurs de la série, une fleur de lys, c'est un canard vu de dos. Et D'Artagnan s'engueule avec lui. Parce que oui, ce canard parle. Enfin, il parle façon Donald Duck, en encore plus incompréhensible, c'est même pas des vrais mots qu'il articule. Et donc, personne ne reconnaît Milady à moins de voir son canard sur son épaule, et souvent même c'est le canard qui l'a trahi en se manifestant bruyamment. Milady de Winter. Parmi les running gags de cette seconde catégorie, on citera de rechef les diverses variantes de la fameuse devise des mousquetaires. Un pour tous, deux pour la reine. Un pour quatre, trois pour cinq, deux pour cinq, quatre pour tous. Marignan, 1515. Et la sempiternelle phrase de correction sur leur nom. Prévenons le capitaine de Tréville et ses trois mousquetaires. Vous voulez dire ces quatre mousquetaires? Oh tiens, je croyais qu'ils étaient cinq. Les trois mousquetaires ne sont que quatre, votre majesté. Nous aurons besoin des trois mousquetaires. Ah. Trouvez-les tous les quatre immédiatement. Pardon, majesté, mais en réalité, les trois mousquetaires ne sont que quatre. Décidément, je n'ai toujours rien compris à vos calculs. Bah, faut admettre que c'est confusionnant à la longue, cette histoire de cinquième mousquetaire. La troisième catégorie de running gag, c'est ce que même le comique de répétition ne suffit pas à justifier ce qu'ils viennent foutre dans la série. Parmi eux, on comptera les tableaux volés à Poudlard. Et les éléphants. Les éléphants? Rien, c'est absurde. Et ça tombe bien parce qu'il est temps qu'on enchaîne deux rechefs sur le point suivant de notre liste. 3. L'absurde. On vient, rechef, d'évoquer les éléphants. Mais l'humour absurde d'Albert le 5e mousquetaire ne se fonde pas uniquement sur l'introduction d'éléments sortis de nulle part. La série réutilise pas mal de recettes de cartoon. À se demander d'ailleurs pourquoi notre pacifique héros Albert s'impose de tirer sur les gardes du cardinal avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce somnifère, sachant que de vraies balles ne leur feraient sans doute que des trous destinés à laisser passer la lumière comme pour les personnages de Tex Avery. Dans le genre absurde, on a aussi les situations de départ de chaque intrigue. Les complots du cardinal de Richelieu sont toujours basés sur les éléments les plus improbables et les plus insignifiants de la vie quotidienne de nos souverains. Dans les premiers épisodes de la série, d'ailleurs, l'immense majorité de ces complots n'a pas d'autre but que de ridiculiser le roi ou de l'incommoder. Le roi exige des bottes. Du 38,5 même. Et alors, c'est normal, c'est bien sa pointure. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour cette raison que tous les cordonniers du royaume ont l'interdiction de fabriquer cette pointure. C'est un ordre du cardinal. Oh, ça ne s'éloigne pas trop de l'état d'esprit de l'œuvre originale. Dans le livre, le complot du cardinal est basé sur des ferrets. Tu devrais le savoir vu que les ferrets en question font un caméo dans la série. Ce qui m'amène de rechef au point suivant. 4. Les références. Principalement franchouillardes donc, mais il y en a aussi des plus classiques. Oui, ne vous en faites pas, il y a bien un épisode du singe dans cette série. Et un épisode des images recyclées. D'ailleurs sur ce point c'est original puisqu'il s'agit du 6e épisode et que les images recyclées ne sont pas encore full à ce stade. Mais on digresse là. Effectivement. Donc les références.
La plupart du temps, elles sont discrètes et il est facile de les louper. Et de fait, on en a peut-être loupé pas mal. Parfois, pourtant, elles sont un peu lourdingues parce que quand les dialoguistes sont fiers de leur blague, ils la refont. Mais en tout cas, elles sont suffisamment présentes pour que le spectateur se sente considéré comme quelqu'un de cultivé, ce qui est toujours flatteur. Mais surtout, en dépit de tous les discours scandalisés qu'a pu faire ma mère sur cette série, elle s'inscrit complètement dans l'héritage du roman. Destinée aux enfants, elle se débrouille pour être compréhensible indépendamment de lui, mais s'adresse avant tout à ceux qui l'ont lu. Voilà pour l'humour, parlons de Rechef des personnages. C'est important parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais le principe de la série est d'introduire parmi les héros du roman un Garistou qui s'appelle... Tu sais, je crois qu'ils ont compris comment il s'appelle. Je sais comment il s'appelle. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Albert de Parmagnan pour être plus précis. Un gascon aussi donc. Comme tous les mousquetaires. Ça se voit à son caractère passionné et vif argent, mais il est également très posé, très attentif à autrui, très réfléchi et très intelligent. Or, comme dit Edmond Rostand, rien n'est plus dangereux qu'un gascon raisonnable. Dangereux, dangereux. On l'a dit, il est non violent. C'est pour ça qu'au lieu de tirer sur ses ennemis avec de vraies balles, il leur tire dessus avec des spaghettis assaisonnés selon son humeur. Avec du parmesan, les dimanches et jours fériés, ah oui. Sauf que, comme on l'a déjà dit aussi, il ne faut pas se fier à l'air innocent de ces spaghettis. Leur efficacité est redoutable. Comme tous les génies, Albert ne tue pas, mais il peut en faire voir de toutes les couleurs. Si on dit qu'Albert est un génie, ce n'est pas uniquement à cause de sa maîtrise de la guerre culinaire. Parmi ses inventions, on citera de rechef l'hélicoptère, le tracteur, la chaussure à ressort et le carrosse de James Bond. Il a de qui tenir puisqu'il descend en droite ligne de Léonard de Vinci. Il doit pas être si gascon que ça au fond. Mais si. En bon Garistou, il trouve le moyen d'être à la fois gascon et descendant de Léonard de Vinci. En bon Garistou, il se doit d'avoir une faiblesse qui le rende plus attachant encore. La sienne est sa petite taille, qui fera qu'on comptera toujours plus sur lui pour avoir des idées que pour jouer les gros bras. En ceci, le soutien des trois mousquetaires, qui ne sont que quatre, lui sera bien utile. Je ne suis pas sûre que sa petite taille soit sa seule faiblesse. Je trouve qu'il a un comportement très douteux avec les animaux. Ça va, Blanchette ? Ça vaut bien tous les honneurs du monde, vous ne trouvez pas ? Non, c'est juste un gars qui a mal tourné. Mais si tu veux lui trouver un travers psychologique, il en a bien un. Il est phobique de la célébrité. Il fuit toute occasion de rencontrer le roi avec une obstination maladive. Au début de la série, on a l'impression que c'est fortuit, qu'il n'est juste jamais là au moment de recevoir la récompense par pur hasard. Mais assez rapidement, ça devient assez clair que non, il le fait exprès. Et c'est même parfois à la limite de l'impolitesse. Du coup, le mérite de ses actions revient toujours aux 4-3 mousquetaires, ce qui lui convient, et n'est de toute façon pas complètement injuste puisque la réussite a autant dépendu de leur bras que de son cerveau. Avant de commencer de rechef à regarder la série, on s'attend à ce que les 3 mousquetaires, qui sont 4, soient surtout une double paire d'andouilles, inutiles et incompétents, destinés à assurer les gags de gros. Mais non, ils sont naïfs, mais autant que n'importe quel personnage de cet univers. Albert et Anne d'Autriche étant exceptionnellement clairvoyants pour celui-ci, et sont réellement compétents pour ce qui est de se battre à l'épée, ce qui est un tout petit peu leur métier, alors pourquoi on leur en demanderait plus ? Les mousquetaires, c'est le cœur antique, et le rôle du coryphée est tenu par D'Artagnan qui, étant le héros du roman, est davantage mis en avant que les autres. À part ça, Aramis est le précieux, Porthos le gros... Ceci dit, ça fait un peu longtemps et j'étais pas de très bonne volonté, mais il me semble pas qu'il soit fait mention de la corpulence de Porthos dans les pages que j'ai lues. Je me souviens seulement qu'il est précisé qu'il aime la bonne chair et pas celle qui se mange. Pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, je trouve que tu en parles beaucoup. Bref, Aramis est le précieux, Porthos le gros et Athos le... Il est de dos. Paradoxalement, Athos est celui qui a le plus de caractère dans le livre et le moins dans la série. C'est censé être un personnage tragique. Les auteurs de la série n'ont sans doute pas eu le cœur de faire un gag autour de lui. À la rigueur, s'il tourne le dos tout le temps, c'est peut-être pour symboliser son désespoir intérieur. Ou alors ils savaient pas quoi faire avec lui, alors ils l'ont mis de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. De Tréville est l'intermédiaire entre les mousquetaires et le couple royal. Plus raisonnable qu'eux, sans pour autant être aussi clairvoyant que la reine et Albert, il est aussi entièrement dévoué au souverain. Son dévouement se manifeste dans la façon dont il est toujours à courir à l'appel du roi, ce qui donne un peu l'impression que dans cette série, c'est comme dans un film de Rapneau, les personnages courent tout le temps. Oh oui, il ferait tout pour son roi dont il prétend, sans raison, garantir la sécurité plus efficacement que ne le font les gardes du cardinal. Oh, à part le cardinal lui-même, personne ne le contredit non plus. Pas même le roi qui est censé être le pigeon de l'histoire. Parce que Louis XIII est dupe de bien des choses, mais pas de la malveillance de Richelieu. C'est d'ailleurs une des bizarreries de cet univers. Je sais qu'on est dans une série humoristique et que la vraisemblance n'est pas un ingrédient très indispensable, mais pourquoi est-ce que ce gars est toujours Premier ministre ? Tout le monde sait qu'il est méchant et personne ne l'aime à part Milady, mais il reste quand même au gouvernement.
Je pense que c'est parce que ça arrange Louis XIII d'avoir à ses côtés un personnage comme ça, assez impopulaire pour qu'on lui mette sur le dos toutes les mesures impopulaires prises par le gouvernement. Sachant qu'il est caractériel, esclave de ses humeurs, imbu lui-même, égoïste, qu'il a une tronche de pièces d'échecs et des pantoufles en forme de lapin, Richelieu constitue le candidat idéal pour ce job. Il a même le costume, tout en rouge avec des cheveux blancs. C'est pour ça qu'il fait partie de ces personnages historiques comme Rasputin ou le général Custer qui sont toujours fantasmés comme des super-vilains dans toutes les fictions possibles et imaginables. Ah mais attention, celui qui est fantasmé comme un super-vilain ici, ce n'est pas Armand Jean Duplessis de Richelieu, mais son jumeau maléfique, cardinal de son prénom. Bonne fête, monseigneur. C'est la Saint-Cardinal aujourd'hui, votre éminence. Bon, faut reconnaître que le personnage historique ne jouit pas d'une meilleure réputation. Évidemment, cette histoire de garder un personnage antipathique avec soi pour servir de bouc émissaire, c'est qu'une théorie. On ne voit jamais Louis XIII se servir de Richelieu comme bouc émissaire dans la série. Mais c'est vraisemblable. Notre Louis XIII, c'est vraiment pas un gars sympa, au fond. Il est pas méchant, mais c'est un grand gamin qui ne vit que pour son bon plaisir et en fait voir des vertes et des pas mûres à ses courtisans avec ses caprices. Il est de fait très facile à manipuler et se retrouve régulièrement manipulé à tout va. Par Richelieu, bien sûr, mais aussi par sa femme, même si cette dernière le fait avec des intentions bien plus pédagogiques et des objectifs toujours centrés sur le bien de son époux et de son royaume. Anne d'Autriche, c'est le personnage le plus positif du trio gouvernemental, mais elle est loin d'être parfaite pour autant. Elle a beau être intelligente et altruiste, elle a un tempérament frivole qui l'a fait partir à l'aventure avec 5 mousquetaires pour seule escorte, sans la moindre considération pour tous les problèmes qui tomberaient sur son mari et son peuple si elle venait à disparaître, juste pour se distraire parce qu'elle s'ennuie au palais. Et bon, elle a beau être fidèle à son mari avec qui, contre toute attente, elle semble heureuse en ménage, ça ne lui déplaît pas d'être draguée par un autre. Elle ne cédera pas à ses avances, mais elle profite quand même bien des avantages que ça procure d'être courtisée, se montre très aimable avec son prétendant, lui offre même ses ferrets sous prétexte que c'est le seul moyen pour qu'il ne vienne pas la harceler jusque dans le palais du Louvre, ce qui a l'efficacité qu'on sait. On ne saura jamais vraiment quels sont les sentiments d'Anne d'Autriche vis-à-vis du duc de Buckingham. Sa compassion pour son époux va plus loin que celle qu'on a par devoir quand on a fait un mariage arrangé, et elle semble sincèrement apprécier ses gages d'affection. Mais elle n'est pas très ferme dans sa façon de repousser Buckingham, dont elle trouve le harcèlement sexuel tout à fait charmant. Il faut dire qu'il a l'art du costume pour séduire incognito. Il est obstiné aussi. Et à l'instar de tous les autres personnages, très naïfs et manipulables. Bien qu'Anne d'Autriche lui ait déjà dit non plusieurs fois, il continue à croire Milady quand elle lui apporte de faux messages d'amour de la reine. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerais toujours. Mais disons-le tout net et de rechef, par rapport à Louis XIII, il a un avantage. Il n'a pas l'air d'avoir un royaume à gérer. Et rien pour occuper son temps à part se lancer dans des plans doufenshmirtes pour offrir des cadeaux à la reine. Pour une reine qui s'ennuie au point de se mettre en danger chaque fois qu'elle en a l'occasion, ça ne doit pas être complètement déplaisant. Enfin les cadeaux, pas les plans doufenshmirtesques. Elle a beau le trouver charmant, elle n'aime pas les mauvaises surprises, et elle va même jusqu'à mobiliser les mousquetaires pour jouer le rôle de coursier et lui porter les 10 cadeaux eux-mêmes afin d'éviter de tomber sur un Buckingham au détour des couloirs du Louvre. Peine perdue, car Buckingham est le principal cheval de bataille de Richelieu. Pensez, la reine est le contre-pouvoir qui s'oppose à sa volonté absolue. S'il pouvait semer la zizanie dans le ménage en démontrant au roi qu'elle a un prétendant, voire qu'elle a cédé à ce prétendant, il deviendrait seul maître à bord. C'est pourquoi il se débrouille pour que Buckingham ne renonce jamais à ses actions de drague, l'encourageant par le biais de son espionne, Milady de Winter, qu'il fait passer auprès du duc pour une suivante de la reine. Que dire de Milady ? Dans le livre, c'est le personnage classique de la beauté fatale. Tu l'as pas lu ce foutu livre ? Bon, Milady n'est pas une beauté fatale dans la série, même s'il y a un épisode où elle drague un mousquetaire débutant pour obtenir des informations. Personnage de cartoon, comme tous les autres gardes du cardinal, elle se prend des murs et des enclumes autant que n'importe qui, peut-être même davantage, sans qu'on cherche à lui donner un charisme plus exceptionnel que ça. C'est l'état d'esprit de la série qui impose ça, et ça ne l'empêche pas d'être une bonne méchante, efficace sur le terrain, rusée, maîtresse dans l'art du déguisement, qui n'est mise en échec que parce que le cinquième mousquetaire est plus doué qu'elle encore. Par contre, on se demande bien quelle est sa motivation. Ok, Richelieu doit bien la payer, mais tout de même, son dévouement dépasse l'entendement. À cause de lui, elle se retrouve systématiquement projetée dans des trous, assommée, torturée, ridiculisée, sans compter que son patron est aimable avec elle comme une porte de prison. Et elle continue malgré tout à faire docilement tout ce qu'il lui demande. Elle est amoureuse de lui, c'est pas possible. Oh, son éminence est décidément un véritable génie. Quand il sera au pouvoir, je prendrai la place de la reine. On ne peut imaginer un plan plus parfait. Plausible. Quoi qu'il en soit, c'est une série dynamique et plaisante, dont certains gags s'estompent peut-être vers la fin, mais dont l'humour reste suffisamment marquant pour mériter qu'on s'en souvienne. Capitaine, un peu de tact. Le duc de Buckingham est amoureux de la reine. Je vais vous poser à terre, les amis. On y va! C'est la dernière mode, Majesté, et le roi se doit d'être à la pointe de l'élégance. Impressionnant.
Tu dissimules très bien ta présence. Minutage de haute précision, contrôle absolu. Tu as des talents incomparables pour l'infiltration. Général, il ne doit y avoir aucun témoin. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. La vie n'est pas toujours facile quand on débute. Faut se faire à tant de choses. Il est charmant, mais je reconnais qu'il est fou. De toute façon, il n'est encore que 8 heures. Puisque tout est facile pour toi, Wheeler, tu pourrais peut-être dissiper ce nuage. Il est vrai que le roi n'est pas ce que j'appellerais une éminence. Au temps des pharaons, Clémentine, tu vas rencontrer un des plus grands hommes que l'histoire ait jamais connu. Akhenaton. Non, Akhenaton. Jamais aucun pharaon n'a été aussi près de son peuple. Pendant qu'on y est, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'on embête des filles modernes avec des cours de physique ? Non, insuffisance énergétique centrale. Il faut fuir. Maître Petit Pierre, le plus petit homme du royaume, sire. Fort de sa tracogibie de potence, veuillez trouver ceci si ficelé avec les compliments de Mr. Mask. En deux mots, pas en trois, et qui plus avec deux M majuscules, voici ma photo. Si vous voulez même le poster, mon numéro est tout droit. On est dans un pays libre. Et tu vas pas piquer ta crise, Joe. Mais je faisais allusion à votre esprit. Il est complètement... regardez, Majesté, on peut lire en transparence. C'est une lettre et elle est signée du duc de Buckingham. Sortirez pourquoi, puisque les victoires, nous en avons assez pour faire grande ripaille. Je ne veux pas la guerre. Jamais. Son jugement est infaillible. Cet homme s'appelle Gaspard Savoureux, un nom prédestiné pour un fin gourmet. Et il défend depuis des années la tradition de la grande cuisine dans tout le pays. On l'appelle le roi de la gastronomie. Une fabuleuse ville tout en or. Si tu avais vu ça, Madame Pepperpot, un monstre gigantesque qui poursuivait les enfants. Oh, y a un fantôme marin. Regarde si je t'ai apporté, t'es dégoûtant, regarde. Il faudra être plus efficace contre les Cosmocats la prochaine fois. Morbleu, quelle fumée ici, ça me donne faim, je ne peux pas résister. Le terreau m'aide à faire corps avec les éléments. Vous n'allez pas refuser d'aider une fillette qui vient de la banlieue Est. Mais je ne savais pas que les terriens étaient si naïfs, je te croyais un homme sérieux. Mais... oh... mais je suis minuscule sur cette toile. Je m'appelle Oscar, Oscar l'ampoule, roi de la filature, génie de la déduction et ma modestie naturelle m'incite à ne pas en rajouter. Voici mon assistant, Barnabé. C'est bien agréable ces dimanches matins avec la famille. Tu ne trouves pas, mon petit Cornelius ? Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Pour sauver le roi d'un complot terrifiant, il combat Milady. Au trot de sa mule, filant comme le vent, il parcourt le pays. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le cinquième mousquetaire. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hurrah pour Albert le cinquième mousquetaire. Rusé, blagueur, il sera vainqueur, Albert le cinquième mousquetaire. Un pour tous et tous pour un. Mais t'es en garde du cardinal en fait. Ah ouais.